Voici la badgeuse Sigfox RFID. Cette badgeuse vous permet de suivre en temps réel les présences de votre personnel. Donc comment ça marche? Quand M. Chalençon va pointer avec son badge sur la badgeuse, sur Softy Planning, il y aura donc un rond orange qui prévient que la personne a commencé son intervention. Bien sûr, ça c'est le planning du jour, mais nous avons aussi le planning du personnel où on peut voir le rond orange qui veut dire que la personne a commencé son intervention. Ça c'est bien sûr quand M. Chalençon pointe. Mais aussi Monsieur Charcot par exemple, il peut aussi pointer comme on le voit sur l'écran. Et là, quand nous allons donc rafraîchir parce que Monsieur Charcot a pointé, nous allons voir directement qu'il y a l'intervention qui est arrivée de Monsieur Charcot. Et on voit bien qu'il y a un orange qui veut dire que lui aussi a commencé son intervention chez SoftySoft. Bien sûr, ça c'est pour commencer. Mais quand maintenant Monsieur Chalençon et aussi Monsieur Charcot va pointer pour terminer son intervention, comme on le voit sur l'écran, sur Softy Planning cette fois-ci, il y aura un V qui veut dire que la personne a fini son intervention. Comme on peut le voir ici, que Monsieur Charcot, Monsieur Chalençon a fini sur le planning du jour. Mais aussi, bien sûr, on peut voir sur les deux plannings du personnel. En deux mots, deux plannings de Monsieur Charcot, mais aussi du planning de Monsieur Chalençon. On voit qu'il y a un V qui veut dire que la personne a fini son intervention. Il faut savoir aussi que la badge Sigfox RFID existe aussi en mobile. Donc comment ça marche? Comme nous le voyons sur l'écran, c'est la même chose, c'est juste que la personne dans sa main a une badgeuse et sur le mur, il y a le badge. Et après, tout simplement, la personne doit pointer sur le mur et après, bien sûr, les transmissions vont remonter sur Softy Planning. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser en commentaire. Vous pouvez nous retrouver sur softysoft.com. Et sur ce, je voulais vous dire merci beaucoup et à la semaine prochaine.